On va faire un petit exercice ensemble de manger ensemble. Pour tous ceux qui souhaitent réduire leurs calories, réduire la quantité de nourriture, bien sûr, on peut jeûner. On peut jeûner à sec, on peut jeûner avec de l'eau seulement ou des jus. Il y a une autre manière que j'utilise souvent, un petit sadhana. Très simple. Vous prenez quelques cacahuètes ou des amandes. Et on va simplement prendre le temps de les mâcher. Et on va les mâcher avec beaucoup de salive, jusqu'à ce qu'on crée la consistance de la purée de cacahuètes, par exemple. Et le plus on mâche, le plus on va amener de salive en frottant la langue contre le palais aussi. On va ramener de la salive. C'est cette énergie qu'on a en nous qui va remonter, qui va revenir dans la bouche. On va mélanger afin que le soda devienne juste un petit liquide en fait. Donc je vais le faire, je vais vous montrer. Donc juste quelques cacahuètes. C'est parfait pour digérer aussi et c'est parfait pour faire cet exercice. Avec une amande. On marque. On n'avale surtout pas. On mâche et on tourne. Maintenant, on utilise la langue. On fait venir plus de salive jusqu'à ce que ça devienne un peu plus sucré. Et à savoir, les enfants adorent manger la bouche ouverte et jouer avec leur salive. Il y a des raisons pour cela. On amène plus d'oxygène à bouche ouverte. On amène plus de prana. On mélange en fait ce que l'on va digérer avec beaucoup plus d'air. Et ça permet à la digestion d'être beaucoup plus simple. Et aussi, juste pour le plaisir, de manger moins mais mieux, on peut faire bouger ce mélange sur les différents endroits de la langue. Parce qu'on a plusieurs endroits qui ressentent le goût sur cette langue. Et quand on avale, on monte la gorge pour bien faire descendre le petit mélange. Et voire même trois fois. Ah, comme cela. Et tout d'un coup, on est nourri avec beaucoup moins de nourriture. Et c'est peut-être aussi puissant que de faire un jeûne intermittent. Simplement d'apprendre à manger en conscience et de vraiment ressentir cette sensation du goût que notre esprit crée. Ah, il n'y a pas vraiment de sensation autre que ce que l'on perçoit. Amusez-vous bien, bon appétit!